exprimer espoir par aussi pour ta juger président et Bazoum, Mohamed Bazoum, il a déposé à. Les États-Unis expriment qu'ils étudient tout à face à la question de ça, non, monsieur a parlé de ça. Et monsieur CDAO, on a parlé que bloc économique Afrique de l'Ouest. Et bien, au même tour, il y a une bon, réunion même, il fait même pour parler même de ça. Et puis, ouais, c'est dans quelle mesure qu'il a fait lancer une opération militaire pour capable remettre en place le président déposé. Donc, de ça, il est tout l'ouvri pour nous, et puis il bouche l'ouvri entre le président Vladimir Poutine non, avec non. En fait, la Russie, avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ben, monsieur, ça continue là. Bataille toujours faite, toujours, il a toujours lancé et tout y a sur l'autre là. Et puis, le président Joe Biden, qui peut aller, qui peut le faire tourner là, et dans la conscience maintenant. Il est pour aller dans Hawaï, pour justement faire une sorte d'évaluation, puis visite de regarder des gars qui fait ça à faire dans Hawaï, côté, quand c'est monde qui m'a dépassé une centaine. Et l'autre grand point qui s'est abdominé à l'actualité encore, c'est que garder pour nous, et dans le pays d'Haïti, eh bien, et monsieur Ganamé continue à assumer la terre toujours. Et il y a encore monsieur attaqué une machine police qui t'a sorti dans une zone Gonaïve. Eh bien, là, entre machine police en bas de zam, et policiers ont sauvé. Ils ont sauvé et ils ont jeté même quoi physique qui était dans la main, Galil qui était dans le jeté. Eh bien, monsieur, mettez du feu dans la machine là. Mais nouvelle pas dit, pas dit si t'es blessé, bon côté policier. Bon, le sergent nouvelle dit que monsieur Boulet, il y a une machine, et puis qu'on y a monsieur continue à vous payer quand même dans la zone surtout, dans la base à Tibonita. Dans l'autre grand point qui s'est dominé l'actualité à toujours, c'est surtout et monsieur Negameo qui continue à opérer dans la zone Cafoufeuille. Côté monsieur a continué à pousser de population à la caille, il est entré à la caille, violer les gens, bouler sa rejoindre, kidnapper les gens, etc. Entre temps, la police et a fait effort pour s'il était capable, dans qui mesure capable, pour être capable de contrecarrer et négamer ça. Et puis, dossier Nations Unies, nous connaissons que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lui-même dit. Soumettre un rapport par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est pour lui garder. Et parmi les recommandations, je souhaite pour gagner une force robuste qui pourrait aller en Haïti, aller des polices nationales là. Et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, s'allège fort, Kenya a fait, ou bien décision Kenya a fait, prend pour lui, et prend tête une force multinationale qui pourrait aller des polices nationales là. Donc, il y a demandé pour l'autre pays dans la région, à part déjà Jamaïque avec les Bahamas, qui confirme la participation. Le secrétaire d'État a demandé pour que l'autre pays t'a apporté, coller tout pour t'aider. Et puis, M. Barbecue, allé à Chérisé, et M. rencontré la presse hier, à côté de M. Didi même, pour ça concerne les forces multinationales là, il n'y a pas un problème du tout. Si M. Vifon va apporter dans le pays, il a supporté, il a battu bravo pour eux. Et si vous venez, c'est venu combattre à faire gang, il a battu bravo pour eux. Mais, si vous venez, vous connaissez que si attaqué, vous venez attaquer et attaquer, ou bien attaquer la population, ou bien violer la population, eh bien, il dit même les disciples qui prennent tête et prennent tête un cabouillage pour que les batailles avec force étrangère. En fait, c'est pour une fois tout que Jimmy Chérizé prend la rue depuis quelques temps que mon parle de monsieur, bien, monsieur rencontre la presse. Quand monsieur fait déclaration concernant possibilité pour une force multinationale aller en Haïti, et c'était pas qu'au grand date précis parce qu'il y a un pile bail qui pour faire un pile analyse un pile financement un bail et appareil qui pour examen qui pour acheter équipement tout bail pour y aller et nous connaissons que dans le jour qu'a venir là au Kenya qui pour voir une délégation en Haïti pour justement aller évaluer la situation et voir qui ça a besoin pour que capable aider dans l'opération qu'il a faire qui était certainement avec objectif pour déboucher sur les élections et qui est pour faire. Nous gagnons, eh bien, parce que c'est la nouille. Et était censé nous en plein Tiboïsia, eh bien, nous avons invité spécial tout là. On va présenter nos camarades. Nous te connaissons. Et au Mexique, on monsieur tellement cher Bella, moi-même, trouvé mes feuilles, on m'a fini. Nous trouvons mes feuilles hier là, qu'on y a là devant monsieur. Bon. Bon, nous connaissons monsieur ça, pas vrai? Non, nous connaissons monsieur ça. Et bien, monsieur, il est Ducasse. Mackenzie Ducasse.
Monsieur, c'était correspondant au Mexique. Et lui, nous avons monsieur dans Tijuana. D'abord, avant Tijuana, c'était Tapachula. Tapachula, monsieur est rentré. Monsieur, sur Tapachula, monsieur descend Tijuana. Et qu'on y a monsieur Washington, qu'on y a monsieur vient visiter. Monsieur vient à nous visiter. Alors, dis-nous, du Kassak, maintenant Washington. Bon, nous, là, on n'aime pas ce cas là parce que quand on est là, on pas à Washington pour ne pas passer dans la voie d'Amérique. Bon, là, on a fait une petite visite. On est là. Ok, donc, vous pouvez dire, vous pouvez boire un café, non là? Oui, yeah. Ah, monsieur, bon, monsieur, nous avons un café, un café, non. Un café spécial, mais, café ça, monsieur, pour un paquet de temps, parce que Godia était tellement chaud. Donc, monsieur, pas café, il boire un café. Mais quand même, c'est de façon pour nous souhaiter, monsieur, bienvenue. Monsieur, m'a dit, nous, bisuit, nous, nous, par un bisuit. Il m'a dit, nous, Kassav, nous, monsieur, allô, cap, à la chez Kassav, là. Et puis, l'Elvin, encore, on a balle, l'autre café avec. Donc, comment va yoye? Bon, tout bagan fort, nous connaissons là. Sauf que nous toujours plein. Si bibi, on a toujours difficile pour haïtien généralement. Parce que remarque, nous faisons blanc, yo, j'en ai des plus rapides que haïtien. On ne connaît pas si des systèmes non blanc ou plus manage que haïtien. Mais toujours on plein pour ne pas qu'à j'en ai des vous. Et puis là, on va aller dans mon qui j'en ai des vous. 75% c'est immigrants latinos qui viennent. Bon, en tout cas, Gerlin Joseph qui était avec nous hier, et il était avec nous dans le journal, dans le troisième mi-temps, et bien, il dit nous que selon ça que lui-même, que l'autorité, et chiffre que l'autorité au Bali, okay. Il dit que Haïtiens sont censés mener dans quand c'est monde qui vient rendez-vous sur frontière. Donc, ils sont bonnes nouvelles, Haïtiens sont censés abdominer, donc, ils sont bonnes nouvelles compatriotes. Nous avons dit que l'administration fait dans son programme là, ça va longtemps, et son programme justement qui pour le programme réunification familiale, côté il inclut Cuba avec Haïti là-dedans, mais il n'y a pas tout le monde qui qualifie pour lui, il faut que les gens qui étaient déjà rempli forme. 130 ans pour vous et que le service m'a déjà approuvé de Manouan et laisse ça au pral retendre une invitation et loge une invitation. Alors, monde qui fait une invitation, monde qui est rempli forme, il s'entend dans le pouvoir. Qui est différent de programme Biden, non? Qui est différent de programme Biden, non? Même monde qui est rempli forme, il s'entend dans le pouvoir. Si t'es papa ou madame ou mari ou maman ou papa ou monde ça, qui est rempli pour vous, mais petit toutou, et bien monde ça a recevoir l'invitation et laisse ça aller pral rempli forme. Il s'entend dans le qui peut permettre de venir aux États-Unis sous parole ou bien encore sous condition, c'est le programme ça, et le FAA ou capable. Et venir aux États-Unis, venir 30 même jamais. Il n'est pas programme 2 ans. Biden, non, non, non. Il n'est pas de programme 2 ans. Biden, c'est I-134. I-134. C'est I-130 qui c'est ou même. Ou proche, vraiment proche, proche, qui de remplir pour madame, Marie, ça va être catégorie A, catégorie A dans le programme d'immigration. Donc, vous n'avez pas appliqué pour cousine? Non, non. Nièce, pas appliqué. Non, pas appliqué pour ça. Alors, dis-nous, non, qui est en frontière? Qui est en frontière? Bon, actuellement, frontière est toujours rempli parce que, malgré tout le programme qui gagne, nous avons toujours appris en route là, malheureusement. Parce que, nous avons dit, le programme est tellement printemps, puis de pipe, puis de Mexique. Parce que si au Mexique, yo espérons les États-Unis. Mais si attend, yo gen doit fermer sou yo, nous pas connait qui ça va passer. Mais haïtien yo, malgré ça, yo joine l'autre route pour passer pour yo ka aller Mexique. Objectif haïtien c'est arriver Mexique parce que Mexique là lui-même. C'est objectif là. Objectif là c'est sortir de Doria et puis arriver Mexique au moins leur Mexique tout frontière. Il y a quelqu'un qui yo applique dans programme parole humanitaire, ça le programme Biden là. Mais pendant y a temps yo just vini Mexique plutôt yo dit de jambé parce que il y a vidéo là parce que mon yo dit là yo entré sous frontière li pi bon pour yo pour qui ça parce que c'est un asile yo pa le faire yo pa gon limite yo gon devou code 2026-2027 ça pa le dépend mais l'autre sous comme Biden là c'est 2 ans par contre ça pa le passer après mon yo dit et puis de frontière vas-y frontière yo risque yo tout dans foire d'rien malheureusement qui difficile en pile malgré tout ça gouvernement a fait pour te combattre phénomène ça. Mon style toujours prend en forêt parce que je dis là, garantie. Vous connaissez force plutôt? Oui, alors, dernière nouvelle, et Panama est non bouche ouverte avec Colombie. Sous dossier ça, parce que Panama dit que Colombie n'a pas réduit flow de monde qui vient traverser le forêt d'Ariane. Parce que lorsqu'il traverse, lorsqu'il est Nekokli, qui est en Colombie, ou traverser maintenant. Vous traversez de l'eau d'abord et vous traversez pour tomber pour nous. Alors, fin d'arrêt, c'est net maintenant qu'on est tombé Panama. Oui. Et Panama a dit de constater une grande quantité de monde qui a vidé sous lui. Et il va ça pour le faire. Les États-Unis ont même posé d'autres conditions, ils même tout qu'on y a là pour le monde qui a demandé, qui a vu sous frontière. Ils demandent faut chercher protection d'abord contre la frontière. Donc, c'est des dossiers qui sont vraiment difficiles. Mais quand même, qui a la vie à l'autre bois même actuellement. Parce que moi-même, je suis allé visiter quand.
et bon, ça moi je me toujours partager avec les spectateurs nous. Donc montrer la situation difficile en pile pour immigrants. Bon, et comment est frontière mounio immigrants généralement yo pas décidé d'installer au Mexique. Ça me dit pas là. Donc vous venez dans pays en transit. Et en transit. Ça veut dire qu'il y a une opportunité yo bail travail ou tu as mettre quelques travail avant que ou j'ai rendez-vous. Mais surtout ici au début venir objectif principal là c'est États-Unis. Vous préférez pas travailler et puis pour vous veiller rendez-vous, pour vous jouer rendez-vous. Même si vous êtes installé, fait un petit coup en attendant que tout va régler, vous êtes capable. Bon, mais Haïtien, lui-même, Mexique là, il n'est pas venu pour l'été, il va installer, même l'anglais, il n'est pas apprendre. Peu soit faible. Non, peu soit très faible. Yeah, même si les dollars font baisser, parce que longtemps, un dollar est 20 pesos, qu'on est là, un dollar est 16,5 pesos. Okay. Et donc, on a 100 dollars même au Mexique, là, on a 1650. Donc, même les monnaies au Mexique, ils ont besoin de support quand même, que ce soit assez beaucoup de familles. Yeah, non, famille est important parce que si pas une famille, c'est difficile en pile. Si pas travail, ou bien j'ai un réfugié, conditions vraiment difficiles, un réfugié, tellement de monde. Un réfugié fait pour 50 monde, il y a 200, 300 monde qui sont là-dedans. Ou pas dormir bien, pour bien, c'est ligne pour prendre. Situation chaotique dans le Fijio, malheureusement, caillou chèto. Il y a augmenté caillou haïtien. Depuis haïtien, il y a eu caillou haïtien 2000-4000. Il y a doublé. Il y a doublé. Il y a 3500. Il y a monté caillou. Mais là, en Venezuela, il y a 2000. Il y a 10 000. Il y a un cob. En Venezuela, il y a même ça. Il fait tout. Il y a 4 000. Il y a dit il y a besoin d'aide de ces immigrants. Il y a dit que c'est migranté pour aider. Ok, d'accord. Ça veut dire que la situation est difficile en pile pour les immigrants. Parce que les immigrants, les États-Unis, c'est les priorités. Okay. Il dit quel que soit la tranche, il faut entrer aux États-Unis, quel que soit le moyen, il va rentrer. En tout cas, il y a plusieurs programmes qui mettent sous pied. L'administration a annoncé récemment une possibilité que pour prendre en considération les immigrants qui bloquent au Mexique. Les immigrants qui débloquent au Mexique après les États-Unis ont été faits dans le 42. Oui. Donc, on sait regarder pour est-ce qu'ils considèrent son état fait pour eux. Il y a un nouveau ministre des Affaires étrangères Mexique là, qui lui-même dit tout son question que le président mexicain est. Lopez Obrador dit demander pour travailler avec les Nations Unies, l'autre agence des Nations Unies, surtout l'organisation pour les réfugiés, tout ça, pour eux. Dans quelle mesure capable de mettre en application ce programme ça et dans quelle mesure capable d'aider les immigrants qui bloquent l'autre bois. Yeah. Donc, même quand vous gardez nous, en patience, tout simplement, alors c'est ça que Guerlain te dit. Oui, oui, Guerlain te dit. Et demander pour eux, prendre patience, ce n'est pas arriver un seul coup, j'en ai arrêté. Ce n'est pas que nous arrêtons, mais que l'arrivée vite, mais. Et pas seulement. Et en pile. C'est 8 points d'entrée gagnés, tout point au plein. Tout point au plein, yeah. Tout le monde peut faire été souligné sur le point d'entrée. Oui. Il était dans la zone port d'entrée et il n'a pas été en dedans dans la ville. Surtout zone Texas, c'est difficile en pile pour les gars. Ok. Zone Texas, ça a gagné plus de 5 frontières Texas. C'est Reynosa, Matamoros, Gagné Volarido, Gagné Pied de la Néglas. Il y a près de 5 frontières dans la zone ça. Les immigrants ont un petit problème, les a traversé. Parce qu'on est Gregabot. Elle passe au Texas. Elle passe au Texas, il y a 5 lignes. Gregabot a un petit problème, il a traversé et il y a un petit problème pour les immigrants. Si nous avons choisi pour peut-être aller. Okay. Il y a très très difficile pour les immigrants. Il y a de l'eau qu'on a avec eux. Il y a des difficultés à traverser. Quand on a bébé, quand on a pile l'autre bagaille. Oui, parce que le gouverneur était déjà ça récemment, il met ton bail flottant dans Rio Grande. Oui. Donc, ça qui est un problème, que le gouvernement fédéral n'a pas d'accord. Non. Le gouvernement est allé dans le tribunal, mais on a un tribunal n'a pas le bon système pour prononcer pour demander de lever les. Oui. Parce que la question immigration, il y a une question fédérale liée, c'est une question au niveau État. Oui. Mais tout, État républicain, est censé dénoncer l'administration, il dit que. Façon que les ouvriers fonciers n'ont pas d'accord avec les tout, il faut certainement qu'on passe dans les mains, donc il y a babé pour ça. Voilà. Bon, c'est difficile en pile, malgré tout effort que le gouvernement a fait, mais il y a une crise migratoire pour que les gens puissent résoudre. Okay, donc, depuis environ 2 ans, là, une crise la raide, malgré tout effort que l'administration a fait, vous sentez, monsieur, toujours dans les capacités de résoudre la crise. Même parce que le gouvernement a travaillé en pile pour s'il a résoudre la crise. Là, parce que les gens qui bloquent le Mexique, ils ont une chance pour venir. Il y a mon Haïti qui a venu, ça veut dire qu'il y a un pile programme qui met sous pied. Donc, on a besoin de patience. Patience. On a ici, on a dit patience tout. Voilà, Mackenzie, alors, au Washington, qui est-ce que vous déposez mallette, comme on dit, vous dites? Bon, je dépose mallette, je dépose de Californie. San Diego, Californie, Los Angeles, Californie. Je dépose mallette là.
on garde toujours informé peuple là. OK, d'accord. Donc Mackenzie au basé mettre déposer ma tout dans Californie. Oui, c'est important. Oui, on est revenu dans capitale fédérale américaine à Washington DC. D'ailleurs là c'est gros building côté pour gros décision. Oui, bah c'est congrès. Yeah, et côté pour gros décision. Gros décision là. On doit pas quitter Washington non, sans pas visiter congrès. Yeah, on va visiter le palais là. On gagne gens au avec là, on va même visiter. D'accord. Il faut pas monter là sous sport parce que gagne UEFA. Oh, oui, allez parce que vous ne connaissez pas politique complètement. Dis-nous un peu dans ce sport. Il y a UEFA là qui est nominé pour meilleur joueur UEFA pour l'année et puis meilleur entraîneur UEFA de l'année. Trois joueurs. Il y a une étude liste. Trois, il y a 10 et il y a 4e, 5e jusqu'à 10e. 4e dans Segundo Gan qui a joué dans City qui est dans Barcelone. 5e dans Rodri qui est dans Manchester City. 6e dans Kylian Mbappé. 7e dans Luka Modric. 8e c'est Brozovic qui est l'Inter de Milan qui était avec en Arabie Saoudite. Alors, va-nous toi finaliste. Et puis 9e dans c'est Declan Rice qui était dans West Ham et Arsenal. 10e dans lui-même qui c'est João Félix, je ne connais pas le problème. Mais 3 finalistes, c'est Erling Haaland qui est Norvégien qui a joué dans l'équipe Manchester City qui font gros saison. 2e dans c'est Kevin De Bruyne qui s'est joué à Manchester City tout, qui ont une grosse saison tout, font un paquet de passes. Et puis étonnamment, Lionel Messi qui est dans le top 3. Un peu qui dit Messi pas mérité là, Messi pas là. Mais Argentin qui est champion du monde avec l'Argentine pour la première fois dans l'histoire. Qui bel et bien figuré dans le top 3. Il va le battre pour Mario d'or. Pas ballon d'or, non, pour Mario d'or qui est le meilleur UEFA pour l'année. Et pour entraîner, c'est Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City. Et si on est Inzaghi, c'est entraîneur de Milan. Et puis. Et Lucien Spalletti qui s'entraîne à Naples, et c'est toi, Mounsao, qui va le gourmet pour meilleur entraîneur. Trois joueurs, c'est Haaland, Messi, De Bruyne. Ton entraîneur, c'est Guardiola, Spalletti et puis Inzaghi. Ok. Et bien, on a dit que dans MLS, là, concernant Messi, puisque Messi a joué dans Miami, Inter de Miami. Inter de Miami, et bien, équipe là, monsieur Mené. Je suis ensemble avec Busquets Alba. Busquets. Et puis Tata Martino. Monsieur, on un peu quand il Tata Martino, mais on met une équipe dans la finale Ligue là. Pour la première fois dans l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire, qui peut rencontrer avec Nashville. Il a qualifié pour la Ligue des Champions. Il a joué la CAI Nashville. C'est un bel match. Puis le monde dit ah, est-ce que Messi Patavine là pour Tavine pour un autre trophée encore? Puis il y a plusieurs autres qui ont parlé là pour Messi. Dans le dossier Coupe du Monde football féminin, on a dit qu'il y a une sélection football féminin américain. Monsieur, bon, monsieur Gasson quitté ça. Oui, après Pierre. Après performance. L'équipe américaine n'a rien maintenant. Il était gros favori, qui va même pas faire de finale. Il va même passer même. Bon, et, donc, sélection américaine a cherché un nouveau entraîneur. Il y a dit qu'il y a un Kimbe entraîneur, assistant entraîneur. Parce qu'il y a deux matchs. Et puis, il y a deux matchs amicales qui ont fixé là. Et puis, il y a un gol qu'on a capturé sur là en février. Ouais. Il y a deux matchs amicaux. Entre-temps, je suis de l'autre entraîneur. Haïti, vous avez un entraîneur, parce que Bélépine Baïvac. Bon, mesdames Haïti, vous avez cherché un entraîneur pour mesdames Haïtiennes. Jacques, vous avez un Jacques. Oh, Jacques, vous avez un Jacques, vous avez un travail. Et puis, dans l'autre Coupe du Monde, nous avons samedi, c'est pas le match consolation entre la Suède avec l'organisateur Australie. C'est les deux, Nouvelle-Zélande qui est éliminée malheureusement, mais Australie vivait, mais pas fait finale. Déception pour Australien. Dimanche, c'est la grande finale entre l'Espagne avec l'équipe Angleterre. L'Espagne-Angleterre, un bel match. On a parlé que l'Angleterre actuellement c'est champion en titre européen. Donc, ballon capable. Titre la galère n'importe quoi. Faire signaler tout, c'est un bon nouveau champion. Tout de peu que j'ai un nouveau champion. Un bon nouveau champion, oui. Champion. En tout cas, nous remercions. L'Angleterre est parti favorite. Je sais qu'il y a un combat, il est bien. Yes. Ronald Colbert? Non. Non. C'est moi, Eric Amien, RFI, en j'ai passé demander pour moi, ouais, rédaction créole là. Ok. Mais comme moi, on visite. Bon, nous comptons, mais saluez nous là. Vous m'avez parlé. Vous m'avez parlé. Oui. Oui. Vous comptons. En direct là. En direct là. Oui, en direct. Oui, là. Moi, content au voisin, puisque c'est qu'on fait en nous. VOA, RFI, c'est l'homme qui a fait émission créole à Sous-Haïti en 2010. En France, en RFI. C'est haïtien? Moi-même, c'est Guadeloupe, mais
haïtien aussi. Moi-même content. Vous allez à Haïti déjà, non? Oui, moi allé à Haïti. Parlez-nous d'expérience dans FI en tant que président. Ah oui, alors bon, moi j'ai commencé émission créole dans RFI en 90-95, à remplacer Francette Brun qui était en rédaction là. Et puis donc moi arrivé en rédaction là, la Francette Brun parti en Guadeloupe. Et de 95 jusqu'à 2006, c'est moi qui ai occupé de la rédaction créole là. On fait émission nous mélanger, mettez créole Guadeloupe, créole Martinique, créole haïtien, tout le monde là-dedans, puisque c'est nous-mêmes. Et nous fonctionnons comme ça, donc nous sommes correspondants donc, en Haïti, Vario Serran, Gilo Winner. Et nous-mêmes, tennis correspondants, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et nous toujours t'es écouté aussi, parce que bon, c'est même famille-là, et c'est même travail-là, nous, qu'à faire. Donc voilà, et là, on venait rapidement. J'ai passé, si on était capable, vous êtes en Aveora, mais comment pas t'es, invitation. Et puis moi, sorti, moi, quand tu es oui, oui, oui. Alors, soit avec Washington. Là, on a visité donc bien sûr Maison Blanche hein, et Capitole et puis nous donc musée de la Bible, et donc voilà. Mais si on te prend moins plus bonheur, on te fait un petit programme, on te vit nous dans la rédaction créole VOA, parce que c'est nous-mêmes. Est-ce que pas soir enfin camenon ouais collègues en dedans, mais non, qu'un bus qui va repartir dans 20 minutes. Malheureusement, c'est première fois venir à Washington. Première fois. Nous sommes bienvenus. Première fois, tu as venu, nous, on a content. Mais oui, mais à qui on veut dire? Parce qu'il faut envie de voisin. Et là, il y a un millier de monde qui a gardé autour. Il y a un peu de monde qui a gardé autour. Il y a un peu de monde qui a tout côté là. Le monde a gardé. Oui, mais ensemble, que vos hommes, ils ont fait beaucoup de travail. Mais qu'on a aussi travaillé pour RFI comme ça. Oui, oui. Nous, Kakembe, allons actuellement à Café en émission pour les jeunes. Ok. C'est l'Afrique. Mais nous, ça y a créé Club RFI. Et nous, nous aussi, comme il y a la trèfle au réveil Haïti, hein, c'est deuxième patrie. Donc nous aussi des clubs qui sont installés donc, à Port-au-Prince, Gonaïves, Cap-Haïtien. Et nous essayons de faire un lien entre Moun Caraïbio et Moun Afrique. C'est important. Il y a une même race là. Pourquoi je ne dis qu'on est là, non? Ah, moi c'est Eric Amier, oui. C'est moi qui t'ai fait émission donc à sous RFI en créole pendant un mois. Tous les matins en français et en créole. Nous essayons Moun Haïti information par rapport à ça que tu as passé, tout ça. Et nous-mêmes, nous, bon séjour, parce que. On coûte ses jours. Parce que nous venons devant là, et puis relais n'a pas chercher pour venir visiter nous, n'a pas de problème. Et ça fait un gros plaisir. Ben oui, mais c'est là pour bon travail. Ben oui, c'est nous-mêmes, Kébéla. Kébéla, ensemble, tête ensemble, nous balayons. Ok, nous comptons. Voilà, c'était Eric Amier, journaliste Radio France Internationale, Radio France Internationale qui compagne. Bonjour, monsieur Amier, Mounir Salou là. Mounir Salou là, ouais.